Journal de bord. Antoine, 15 ans. 4 juillet 2082. Aujourd'hui, c'est la première fois que je suis allé sur Terre depuis que je me suis évadé du camp de Laos il y a 3 mois. J'aimerais savoir ce qu'il est arrivé à l'humanité. J'aimerais savoir ce qu'il nous est arrivé. L'ordre mondial nous dit qu'il y a plusieurs décennies, un cataclysme nucléaire est arrivé. Et que l'humanité a dû se réfugier sur ses colonies sur Mars, Mercure, Vénus et plein d'autres. Et que l'ordre mondial a été créé dans le but de garantir la sécurité et l'ordre dans le système solaire. Mais on sait tous très bien que ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Sinon, pourquoi ils emmèneraient des gens qui ne sont pas d'accord avec eux? Des gens qui savent ce qui s'est passé pour en arriver là. La vie était simple avant qu'ils arrivent sur ma planète. Avant qu'ils arrivent sur Mars. Mon village s'est opposé à leur prise de pouvoir. Et nous ont tous emmenés à Laos. J'ai passé 11 ans à travailler pour eux. Traités comme des chiens. Le réconfort, je l'ai trouvé dans les histoires et les légendes que racontaient les anciens à propos de la Terre. Ça semblait si magnifique. De gigantesques villes, des océans bleus comme le ciel, des forêts à perte de vue. Ça semblait si beau. Il y a 3 mois, j'ai volé un vaisseau et foncé en direction de la Terre. Elle est ni comme les anciens la décrivaient. Pas de ville gigantesque, il n'y a pas tant de forêts que ça. Mais elle n'est pas non plus comme l'ordre mondial l'a décrit. Elle est verdoyante, avec une lumière sublime. Il n'y a pas non plus de traces de radioactivité. L'air est potable. Lorsque j'étais petit, on pouvait observer la Terre sur un vaisseau depuis l'espace. Elle semblait froide et aride. Mais depuis 2081, on n'a plus le droit de s'approcher à 150 millions de kilomètres de la Terre. Parce que soi-disant, la radioactivité s'intensifierait. Cette décision a été la goutte de trop. Des gens ont commencé à se rebeller partout dans les systèmes terriens. Quant à moi, je suis juste à la recherche de la vérité, du passé de l'humanité, de notre passé. Bibot, c'est réparé. Oh merci Bibot, je sais pas ce que je ferais sans toi. Tu te ferais tuer? Non? Si. D'ailleurs, c'est grâce à moi que tu es vivant. J'ai juré de te protéger et je le ferai. Sauf si tu continues à parler à ce foutu journal de bord. C'est même pas une vraie personne. Pourquoi tu t'obstines? Bah tiens, regarde plutôt ce que j'ai ramené. Oh, vestige de rien. Tu peux les décrypter? Oui, je peux. Mais est-ce que je dois? Oh, s'il te plaît, Bibot. Très, très bien. Star Wars, aucune échappatoire. Et 2042, les vidéos de Mathieu. Il faut qu'on retourne sur Terre. D'après les données de ton masque, il y a zéro danger dans l'atmosphère. Alors on y va? On va partir à l'opposé de là où tu as trouvé ces trucs-là.